Coulons. Non, coulons, c'est trop facile. Concombre. Allez. Vous avez décidé, c'est bon. Ouais. Je ne vais pas y arriver, mais bon. Ah, mais bon, ouais. Si bien compris, vous voulez vous foutre de moi. Ah, non, non, pas du tout. On se met des petits défis. On se met des petits défis. Tu vois, c'est pour avec l'équipe et du piment. Voilà, du d'un piment coup, on a envie de la faire cette interview. Ouais. Bah, tu le dis, ça t'emmerde. Ouais, on se casse, hein. Qu'est-ce qu'il fait, le pitch? Qui c'est qui pitch bien? Moi, je pitch pas bien. Moi. Toi, tu pitch bien? C'est deux bras cassés, deux pieds nickelés qui sont vraiment au bout du rouleau. Il y en a un qui distribue des tracts et l'autre qui est sécu dans un magasin de moto. Ils n'ont pas un rond et lui, il a l'idée de génie d'aller voler un chien de la brigade des stupéfiants pour essayer de raser tous les trafiquants du coin, trouver leur planque et trouver de la drogue et se faire de l'argent. Et ils n'ont rien trouvé de mieux une fois qu'ils ont... Parce qu'ils vont trouver une énorme quantité de drogue, de s'adjoindre l'aide de Florence Foresti qui joue une flic complètement pourrie, et donc c'est cette vadrouille de ces trois losers magnifiques. Mais ça va pas bien, non ? Je voulais absolument pas faire Dickeneck 2, donc ça c'était, donc on me l'a tellement demandé depuis, et j'adore mon métier et j'adore de rentrer dans un univers. Je suis rentré dans l'univers des flics d'élite et des super méchants très intelligents. Ça c'est UK, le long métrage qu'on écrit avec Mourad. Et ici on voulait des gens touchants. C'est pas parce que t'es con que tu peux pas être touchant, et c'est pas parce que t'as une idée de génie que tu vas forcément la réussir ou la réaliser. Et donc chaque petit personnage comme ça qui venait dans le film, on voulait qu'il soit entre guillemets une petite perle rare. C'est notre premier, hein. C'est quoi? Ah merde. Ah, rien à voir. Alors, ah ouais. C'était où là? C'est pas Télérama? Je crois que j'ai l'impression qu'on a perdu Alban, je crois qu'il est resté à Rouen. On nous a envoyé son sosie. Ouais, c'est dur là. On nous a envoyé son mauvais sosie. Ah non, mais c'est dur là. Excuse-moi de t'interrompre, Alban. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que je pense que tu te rends pas compte que t'as quand je dis un physique, c'est pas juste physique. Comme, enfin, en tout cas, tu dégages quelque chose qu'il n'y avait pas dans le cinéma français. Et à la fois avec ta gouaille, ton humour, ta personnalité, ton physique de nounours, etc. D'un coup, il y a une tonne de rôles qui s'offrent à toi. Et donc, ils se sont tous rués sur toi en disant « Mais moi, je veux mon bout d'Alban Ivanov ». Mais exactement. Yes. Est-ce qu'on peut parler juste de peut-être qu'il a du talent et que peut-être tout le monde veut s'adjoindre son talent? Mais oui, c'est ce que c'est. Exactement. Oui. Pas la guitare ! Faut vous calmer, hein, les consanguins, là. Attends ton tour, toi, j'arrive. Mais descends, connasse, soir, je vais te repeindre, moi. Une fois que t'as fait un film culte, est-ce que c'est difficile d'en sortir visiblement ce que tu dis? Ce qui est difficile, c'est de pas faire... En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est un 2 qui n'est pas culte, un 2 qui est une merde, ou... Et donc, ici... Je sais qu'il y a plein de gens peut-être qui m'attendent au tournant, mais je n'ai absolument pas peur du tournant, en fait. Vous avez l'air de vous y connaître, moi, en mal. Hein. Et pas que. Donc vous étiez dans du Kenneth qui est venu à une comédie. Attends. Non, vas-y, on a beaucoup déconné. Vas-y. Vous faites le lien avec ce film, même si c'est pas une suite. Non. Mais votre personnage, je trouve qu'il. C'est un cousin. Ouais, c'est un cousin parce que l'humour du réalisateur, vous oubliez. Olivier. Van Oostat. Voilà, j'aurais pas pu le dire. Il est un peu changé, avant il était plutôt bête et méchant avec Thierry, il marchait très bien. Là dans Lucky, il est un peu moins... Ni tendre. Il est tendre. Mais votre personnage, c'est le seul qui gagne. Qui est resté bête et méchant, dites-le. Oui, d'abord j'étais flic déjà dans Dickeneck. Ça pourrait être la même qui a grandi, hein, qui a vieilli, pour pas dire vieillir. Peut-être un peu mal, parce qu'elle est devenue très corrompue, mais ça aurait pu être... Moi je suis un peu le lien, ouais, peut-être, entre Dickeneck et Lucky. Le seul, le reste, le reliquat. Il appelle. Ah bah très bien, on va répondre. Non, je suis... Allô, non, j'ai passé pour une balance. Est-ce que dis-lui de couper la chenèque? Ne sors rien à foutre. Je lui coupe les couilles, le sécateur. Il veut vous couper les couilles avec un sécateur. C'est vrai que Flo, ça reste un flic, mais c'est pas non plus le même flic que dans Dickeneck, quoi. Elle fait pas son show devant des gens qui viennent...
porter plainte ou se plaindre. Ou ici, c'est plutôt elle sait ce qu'elle veut, je sais pas. Il y a plein de bons acteurs. Mais c'est clair qu'ici, ce personnage de flic corrompu, je trouvais que c'était quand même une des meilleures personnes en France pour l'interpréter. Donc j'avais une chance sur deux. Parce que quand je lui ai envoyé, la première chose qu'elle me dit, encore un rôle de flic. Et donc, mais bon, je pense que je suis très content qu'elle a fait et j'aime bien ce flic. Rien, zéro, nada, nul. Mais quel con ce chien aussi. Il pourrait y avoir un champ de cannabis qui s'en rendrait pas compte. On te veut que du bien. Donc on te donnera tout ce que tu veux à manger si tu nous ramènes quelque chose. C'est gagnant pour nous, c'est gagnant pour toi. Allez, check. Je sais qu'avec les comédiens ça va, avec le chien, j'ai dû apprendre. C'est-à-dire, par exemple, la scène où le chien trouve la tonne 127 de cannabis, j'ai enfermé le dresseur de chien à l'intérieur du garage, avec plein de bouffe, et le chien, de lui-même, tu vois, a commencé à gratter à la porte et tout ça. Mais c'était une prise, hein. Et quand il fait check, ça, c'est Michael Young qui fait... C'est une impro. On sait qu'on veut arriver là, mais comment, on ne sait pas, parce que c'est pas des chiens qui obéissent. Tu vois, c'est pas les meilleurs chiens qui obéissent le mieux et compagnie. Et donc, le chien a fait check. Tu vois, mais on n'a pas trois prises. Mais on a une belle prise. Et le chien est touchant aussi, voilà. Donc, ce chien-là adorait travailler la nuit. La journée, va te faire foutre. Et voilà, donc c'est très difficile hein, de tourner des chiens. Mais voilà. Mais on l'a fait.